que j'aime avec Joseph, c'était pas seulement quelqu'un qui avait une vision, mais il avait aussi l'intelligence de vision. Excusez-moi, je vais parler un tout petit peu parce que le véritable repositionnement, ce n'est pas physique, c'est mental. Je vais en arriver, c'est mental. Le problème, c'est que les gens croient que si tu changes d'endroit, c'est alors que les choses... Non, c'est dans la tête d'abord. Parce que tu peux prendre un lézard qui habite à Paris, tu l'emmènes aux États-Unis, à Washington, il ne deviendra pas un crocodile. Ce sera toujours un lézard. Le vrai problème, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, la Bible dit, l'homme est tel, c'est les pensées de sa tête. Oh, je vais en arriver. Parce que notre pensée est médiocre. Il faut renouer. Quand on parle de repositionnement, le premier repositionnement, ça se passe ici. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça se passe ici. Tu peux te repositionner du ville, du pays. Mais si ici ce n'est pas renouvelé, cela veut dire que tu voyages avec toutes tes bêtises avec toi. Si tu peux réussir à maîtriser ta pensée, si tu réussis à penser correctement, tu vas réussir dans tous les domaines de la vie. Notre, quand on parle de combat spirituel, vous savez le combat spirituel, ça se passe où? Ici. Dans le penser. Ici, le combat spirituel, c'est ici. C'est ici que le diable vient bombarder. C'est ici. Dans le penser. Alléluia. Paul dit... Soyez renouvelés de votre intelligence. Et la Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Maintenant, nous sommes en 2018. Tu as déjà traversé l'année, mais ta façon de penser, tu penses encore à 2012. La machine ne peut pas marcher parce que quand même tu es ici physiquement, mais mentalement tu es attaché ici. Et tu pries Dieu, même si Dieu veut, mais Dieu ne peut pas. Parce qu'il faut que ta mentalité, ça s'accroche avec la réalité là où tu es. Et donc, c'est dans ce moment-là que... Traverser 2018, traverser 2019, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est le renouvellement de l'intelligence. On commence, 1, 2, 3. Alors tu regardes mais ton voisin, tu le dis. Tu regardes les gens de là-bas et vous regardez les gens de là et vous dites. Et puis, acclamez le Seigneur. Alléluia. La conscience dit que ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Cela dit que tu es ce que tu penses. Si tu n'aimes pas ta vie est la sommation de toutes tes pensées. Tu n'es pas ce que tu nous dis que tu es. Non? Ce que tu nous dis, ce n'est pas ça que tu es. Tu es ce que tu penses. Là, ta vie, là où elle est aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées. Si tu ne comprends pas mon message est très simple. Si tu veux, c'est ça mon message. Si tu veux changer ta vie, change la manière dont acclamer le Seigneur.